Bonjour, est-ce que vous voulez bien accueillir le réalisateur Dan Scanlon et la productrice Corey Ray? Alors, juste une petite chose, si vous voulez poser vos questions en anglais, s'il vous plaît, ayez les gentillesses de les traduire aussi en français. Hello, guys. I'm going to be translating as we go, so just to give you a heads up. Just a first question to kind of get things started. Dan, I know we were talking about a bit about this last night. This is a really personal story for you. Just tell us a bit more about why it was important for you to tell this story. My question c'est pourquoi c'était important pour Dan de raconter cette histoire dans un an. Yeah, I lost my father when I was a year old, and my brother was three. We didn't remember him growing up, and we always wondered who he was, and that was something that was really important to me and to Corey. We wanted to tell a personal story with this film because I think personal stories tend to connect to people, and it's more likely that others will find their own story in your story. Okay. Donc voilà, dernier rappel qu'en fait, lui, il a perdu son papa quand il n'avait qu'un an. Son grand frère, à l'époque, n'avait que trois ans. Et tous les deux, ils n'avaient pas beaucoup de souvenirs justement de leur père et ils se souvent posaient des questions, qui était leur père? Donc c'était important pour lui et pour Corey, la productrice, justement de faire ce genre d'histoire personnelle parce qu'ils trouvent que c'est ces histoires qui marchent le mieux parce que vraiment c'est là où on peut voir les connexions avec les spectateurs qui regardent le film. Vous avez vos questions? Voilà, d'abord, voilà, juste ici. Et bonjour. Chez Pixar, entre Lao, Coco, Le Voyage d'Arlo, votre film et prochainement Soul, le thème de la mort revient fréquemment chez Pixar. Donc c'est pour savoir ce que c'est une volonté des studios de parler d'un thème adulte à un jeune public. Okay. So he's saying lots of Pixar movies, whether it's Coco or Up or Soul, the new one, or yours, talk about death. And he's wondering, is that really something that people at Pixar think about, think is important to talk to a young audience about this more adult subject? I think everybody thinks about death. Je pense que tout le monde pense à la mort. I think in thinking about death, you're really thinking about life and the purpose of life and the point of life. And I think it's absolutely something that children have to deal with, sadly, like myself growing up, having lost my father. These movies give kids a safe place to talk about it and to see they're not alone. Voilà, donc Dan il dit, bien sûr, la mort, ça fait partie de la vie. Et c'est vrai, on se pose toutes ces questions, enfants ou adultes, pourquoi on est là, quelle est la raison de la vie. Et il trouve que ces films donnent aux enfants un endroit secure, safe, où ils puissent discuter de ces thèmes qui sont quand même assez graves, mais qui touchent tout le monde. Corey, do you want to add something? I think it's not necessarily, to Dan's point, it's not necessarily about death, it's about some emotional place. I think we're trying to answer some questions, but also delve into just personal areas that all audiences can connect with. Comme dit pour elle, c'est pas forcément la mort. Ils sont pas obsédés avec la mort. C'est juste que c'est un lieu émotionnel avec plein d'émotions. On essaie de trouver des réponses à des questions qu'on se pose tous sur des thèmes très personnels. Une autre question? Voilà. Est-ce que l'effet MeToo a à voir avec les femmes guerrières et les femmes de plus en plus présentes chez Pixar et chez Disney? On a l'impression qu'avec En Avant, on assiste à un tournant, à un passage, et qu'elles seront de plus en plus présentes. Okay. So he's saying, did the wake of the Me Too movement have any effect on the way you treat stories at Pixar, and particularly with Onward, seeing these women warriors, really strong women? Do you think that had an effect on your film? I'm not sure. I think it actually came a lot from Dan. It was really important to Dan when telling the story to include the mother in the story and to include her in an important way. You want to talk a little bit about that? Voilà, donc comme il disait déjà, c'était important pour Dan d'avoir la mère, la femme guerrière comme ça, dans cette histoire, dans une façon importante. My mom was our mighty warrior. She supported us. She raised us, my brother and I. And so it was always the three of us against the world, and it was really important in this film that we see that Laurel Lightfoot is working hard to be there for these boys, that the three of them are on this quest, even if they're not always together, and that Laurel is a crucial part of this journey.
Voilà. Donc il dit oui, effectivement, ma mère à moi était une guerrière. C'était elle qui élevait moi et mon frère. C'était nous trois contre le monde. Et dans le film, pour moi, c'était important justement de montrer cette personnage de Laurel Lightfoot comme quelqu'un qui travaille dur, que les trois sont sur une quête ensemble, même si c'est pas en même temps, ils sont quand même sur la même quête. Et ça, pour moi, était très important. Une autre question? Allez-y. Yes. Hi, thank you so much for your movie. I'm going to translate it to French right afterwards. I'm a bit emotional, sorry. I was really touched by your film, especially the ending. And I thought it's so brave to choose such an ending. It's so unique to see that. I saw the trailer, I thought, well, okay, the two kids are going to find their father again. And, you know, there's going to be a hug, you know, like a group hug. And it's going to be, you know, inspirational. And it was inspirational, but I said, Disney said yes to that. Disney said okay to that. Did you have to struggle? Voilà, je m'auto-traduis, j'ai été longue. Merci pour le film, déjà, merci pour cette fin très courageuse, très compliquée à faire, peut-être avec Disney. Avez-vous dû vous battre pour une fin pareille, qui n'est pas du tout la fin attendue, où on attendait, bien sûr, l'happy ending complet? Voilà, c'est ma question. I think it's so, thank you, first off. I think it's a real testament to Pixar and they want something new and risky and yeah. True, and sometimes those things are hard, and they usually, if anything, really, really rally around an unexpected ending, if it's right for the story, and they really encourage us. There were a few voices in the room that said, could Dad just turn around and wave at Ian? And I get, to me, that's a... what you want and what you need aren't always the same thing. You can have that feeling, but I think that would have undermined it. Exactly. Yeah. Voilà, donc DJ l'a dit, merci pour la question. Il dit c'est vraiment un témoignage au niveau de Pixar qui voulait justement faire ces fins qui sont un peu nouveaux, un peu risqués, mais à la fois très très vrais. Et il a trouvé un soutien de la part de Pixar dès le début pour cette fin un peu inattendue, parce que c'était bon pour l'histoire. Et il a dit oui, il y avait quand même quelques voix dans les réunions qui disaient est-ce que le papa pourrait juste à la fin se retourner et faire coucou à Ian ou quelque chose? Mais non, ils ont décidé que ce n'était pas nécessaire pour le film, et parfois ce qu'on veut et ce dont on a besoin ne sont pas exactement pareils. Une autre question? Okay. A question for Dan. You said this movie was inspired by your personal story, and I wanted to know if directing this movie played its magic and allowed you to free you from your past. Voilà. Donc une question de, est-ce que justement pour Dan, est-ce que ça a pu soulager son deuil en quelque sorte de son passé? Absolutely. My mom said early on to me, I told her, I feel like I'm exploiting my life for my art. And my mom said, I think it's the other way around. And I was so moved. And it's so true with art. You're exploiting your art to make your life better. My relationship with my mom and brother was already great. It has been incredibly improved by this movie. We're all speaking so emotionally to each other. We're telling each other almost too much how much we love each other. And my hope is other people will do the same, that it's a movie about appreciating who you have now and not leaving anything on the table. Say it now, there's no reason not to. Voilà, donc Dan dit oui, absolument. En fait, il avait dit à sa maman, j'ai l'impression que j'en profite un peu de ma vie pour faire ce film, pour faire de l'art. Et sa mère a dit, mais non, c'est tout le contraire. En fait, je crois que c'est là, justement, c'est vous qui en profitez de cet art. Et il dit, pour moi, il y a vraiment une bonne relation entre ma mère, mon frère et moi-même. On avait une bonne relation avant. Mais depuis ces films, on parle avec beaucoup plus d'émotion. On est plus ouvert, presque trop. On dit, je t'aime presque trop. Et il espère que les autres, en regardant ce film, ils vont faire pareil. Ils vont apprécier ce qui se passe maintenant et ne pas trop focaliser sur ce qu'ils n'ont pas. Une autre question? Oui. Allô, j'aurais une question concernant l'animation. Comment avez-vous assuré l'animation de Monsieur Lightfoot, et notamment la scène où il danse? J'aurais aimé savoir si vous aviez juste créé le bas de son corps, ou si vous aviez créé le corps intégral, et ensuite supprimé le haut du corps pendant cette scène notamment. Merci. Okay.
So this is a question about the animation, particularly in the dad, in the scene where he's dancing. Did you kind of work with just the idea of his bottom and his legs, or did you create a whole body and make it dance and then just take the top away? No, I think we definitely spent a lot of time, the animators spent a lot of time figuring out how to make those legs emote in the right way. And, you know, we started out pretty broad, and we thought in order to give that emotion, they would have to be big, broad movements. But what the animators learned was that the more subtle, the more emotional. And so the dancing sequence is probably the most broad in the whole film, but we wanted to have that fun moment for sure. Voilà. Oui, donc au début, en fait, on s'est dit qu'il fallait prendre beaucoup de temps pour essayer de comprendre comment communiquer justement l'émotion à travers ses jambes. Et on s'est dit au début, on va faire quelque chose de très très grand, mais en fait, les animateurs se sont rendus compte qu'en faisant l'émotion un peu plus subtile, ils ont pu communiquer encore mieux à travers les jambes. C'est vrai quand même dans cette séquence de danse, là, les jambes, ils sont peut-être au plus grand de leur niveau, mais les animateurs voulaient aussi montrer un peu de fun dans ce personnage aussi. Qui a le micro? Bonjour. Comme dans beaucoup de contes, on se sert de créatures fantastiques, de la magie, etc. Pour dire des choses sur notre monde à nous, sur notre société moderne. Est-ce que vous trouvez justement qu'on a oublié certaines traditions, un peu comme dans le film, qu'on a oublié d'où on venait? Vous voulez dire actuellement? Oui, actuellement. Or, okay. She's saying, you know, a lot of times we use fantasy and that sort of thing to do a reflection on the modern world. Do you feel that there are things in today's world that we as humans have forgotten, sort of like the magic that's forgotten in the movie? Well, I always think there's, you know, yeah, there's nature is magical. We're just used to it. Animals are magic creatures. They're ones we've seen before, and that's kind of the joke of the unicorns in the movie, is they're treated like these raccoons or squirrels. But raccoons and squirrels are amazing. You know, it's really a reminder to appreciate what's around you and see the magic in it, which I think is also reflected in the family story. Look at the people around you and see the magic that's in there. Okay. Voilà. Donc Dan dit, oui, bien sûr, la nature, surtout, est quelque chose de très magique. Les animaux, les créatures qui nous entourent tous les jours. Et c'est pour ça, c'était ça le blague des licornes, en fait, qui sont un peu comme les ratons laveurs ou les écureuils. En fait, même les ratons laveurs et les écureuils, si on les regarde de près, ils sont magiques aussi. Donc c'est ça qu'on voulait montrer. Et c'est ça encore le thème du film. Il faut vraiment apprécier ce qu'il y a autour de nous, si c'est les animaux ou si, encore une fois, nos familles et nos proches. Oui, là. L'Heroic Fantasy se divise en deux courants, d'une part celui du Seigneur des Anneaux et d'autre part celui du Graal. Est-ce que lui, il se sent plus Seigneur des Anneaux que Graal? Et est-ce que le jeu, c'est un clin d'œil à Donjons et Dragons et c'est parti à lui? Voilà, pardon. Donc, entre le Seigneur des Anneaux et le Graal? Le Graal. Comme le Roi Arthur? Okay, d'accord. So he's saying he's getting a feeling that you're sort of between these two. We feel these two universes between the Lord of the Rings and sort of a quest search for the Holy Grail kind of thing. Which one are you going toward more? C'était ça la question? Yeah. I think both. Les deux. It's an adventure. It's a fantasy adventure. I think we're really trying to capture a classic quest film, a high fantasy. Quest was really what we're going for. Voilà. Je voulais justement que, en fait, je pense qu'on voulait faire de ce film une vraie aventure fantasy. On voulait vraiment capturer cette notion d'une quête classique, de niveau, comme on dit en anglais, high adventure, l'aventure haute. C'est ça qu'on cherchait vraiment. Quelqu'un d'autre a une question? Voilà, ici. Bonjour. Vous avez travaillé ensemble sur Monsters University. Comment cette expérience conjointe a pu vous influencer sur ce nouveau film? Okay. What did you learn from working on Monsters University that kind of helped you working on this film? Well, I think for sure, our relationship changed. I think as filmmaking partners, we learned a lot about one another, about what our tastes are, about what's important to us when making a film. So we learned a lot about that on Monsters U that we brought into Onward. And I think in general, making a prequel or a sequel is very challenging and you have certain limitations. When we started making this film, there are a different set of challenges and you can do anything. And so it was kind of just
kind of learning almost the opposite lesson for Onward. Voilà. Donc DJ a dit dans un premier temps, bien sûr, notre relation a changé parce que sur le premier film, on était en train de se connaître, comment on est, comment on travaillait, nos goûts, qu'est-ce qui était important pour nous. Et puis deuxièmement, ce qui était très différent, c'était sur Monsters Academy. En fait, là, quand on travaille sur un film dans un univers qui existe déjà, il y a certaines limitations. Alors qu'ici, le grand défi, c'était le fait qu'il n'y avait aucune limitation. Quand c'était nouveau, on aurait pu faire exactement ce qu'on voulait ou ce qu'on voulait. Ce qu'on voulait. Ici. Pour compléter la question de mon collègue sur la dimension jeu, est-ce que Dan a été un grand joueur ou est encore un grand joueur de Donjons et Dragons ou d'autres jeux de rôle? Okay, so to kind of go off the back of that question about the quests and stuff, how much were you personally influenced in your life by games, maybe games like Dungeons and Dragons, that kind of thing? Sadly, we neither of us were at all. Ni l'un ni l'autre, que c'est du Donjons et Dragons. You know, but we are surrounded by so many people at Pixar who are super into it and know their stuff and kept us honest and kept us and educated us. Yeah, it was a great learning experience. We kind of really learned to appreciate that world and the complexity of kind of those games and role-playing and storytelling games. Mm-hmm. Voilà. Donc il dit en fait, ni l'un ni l'autre était vraiment à fond dans ce genre de jeu, mais ce qu'ils souhaitent à Pixar, c'est qu'il y a quand même beaucoup de monde qui sont à fond dans cet univers. Donc pour eux, c'était vraiment intéressant de pouvoir apprendre grâce à eux. Et c'était une vraie éducation pour apprendre à apprécier la complexité de ce genre de jeu et de rester fidèle à ce genre d'idée. Dernière question. Je vais vous poser la question. Créativement, le fait de travailler avec ces deux logos et donc ces deux grandes maisons, Disney et Pixar, avec une longue tradition d'animation et de grand succès au cinéma, est-ce que créativement c'est quelque chose qui est très stimulant? Est-ce que ça vous met une pression en sachant que vous allez être forcément jugé par rapport à tous les animés qui ont été faits précédemment par ces deux grandes maisons? Okay, so he's asking about, you know, this blend of Disney and Pixar, what kind of effect that has on creativity? Does it inspire you? Is there a lot of pressure thinking about all that's come before, not just with Pixar, but with Disney as well? Yeah, you know, I think it's a good pressure. You know, Pixar, all of our fellow filmmakers at Pixar really support us, and we support them as a big collaborative environment. And I think once we get going and once we have an idea, we just really are focusing on that. We're not thinking so much about, you know, what we have to live up to or, you know, the pressure of that. We're just really supported and encouraged to make a great film. Donc, Corey nous dit qu'en fait, c'est une bonne pression. Et ce qu'il souhaite à Pixar, c'est que tous les cinéastes, parce qu'ils sont tous en train de travailler en même temps ensemble, ils travaillent ensemble et c'est vraiment quelque chose de très collaboratif. Et une fois qu'on démarre le film, on est tellement focalisé dessus qu'on ne pense pas à cette pression du passé. Et heureusement, on est juste encouragé par tout le monde de poursuivre notre aventure jusqu'au bout. Thank you so much to both of you. Un grand merci à vous.